Voici l'histoire de M. Kouadio Ghislain. Durant plusieurs années, M. Kouadio cherchait du travail en vain. Titulaire d'un BTS en contrôle qualité, aucune entreprise ne voulait de lui. M. Ghislain Kouadio va parcourir les sociétés, y déposer des demandes d'emploi, aucune suite. Voulant en finir avec cette souffrance, M. Kouadio va alors participer à rencontre de puissance, veillée de feu organisée par le Centre d'excellence d'engrais. Durant la veillée, il obéit à la parole du serviteur de Dieu, le berger Achiapa comme Marie, et librement fait une offrande. Ça fait 10 ans que j'étais au chômage. D'abord, j'ai fait le BTS en contrôle qualité, chimie industrielle. Et j'ai déposé mes diplômes. 10 ans, ça fait diplôme. J'ai déposé. Donc, il y avait la rencontre à la base Vivar. Et je suis allé là-bas. J'ai veillé. Et l'homme de Dieu a dit on n'a qu'à s'aimer. J'avais 11 000 francs sur moi. J'ai enlevé les 10 000 francs. J'ai mis dans l'enveloppe. Et j'ai s'aimé depuis jeudi. Avant-hier, jeudi. Hier, jeudi, il y a la directrice qui m'a appelé dans la société, une société immobilière. Et elle m'a confié la gestion. Et nous sommes situés au déplateau Vallon. Nous étions 3 personnes sur le poste. Mais c'est moi qui l'a appelé. Et son patron aussi. Et son patron a appelé depuis la France sur mon portable. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. Après 10 longues années de chômage, une seule nuit a suffi pour ouvrir les portes du travail à M. Kouadio. Des portes hermétiquement fermé depuis 2006. L'offrande de M. Kouadio a fait monter un parfum d'agréable odeur vers Dieu, comme l'avait fait Abel. M. Kouadio est maintenant administrateur général d'une entreprise immobilière. Quelle grâce! Toi aussi, si tu vis une situation pareille, surtout ne te décourage pas. Le Dieu de victoire est là. Viens à sa rencontre au Centre d'excellence d'engrais. Avec le berger Achiapa Comar. Info line 01 31 51 06. Centre d'excellence en grès. Il y a une place pour vous au sommet si vous êtes intéressé